premier lot mis en jeu, petit appareil original, le Pico projecteur de chez Doogie, le Doogie P1. Pico projecteur avec une technologie intégrée provenant de chez Texas Instruments, donc normalement réputée pour être bonne. Je l'ai testé, l'image est très belle. Voilà. Je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que, bon, peu importe pourquoi, en tout cas, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Je l'ai juste utilisé moi de mon côté pour voir ce que ça donnait, mais j'en ai aucune utilité. Donc, j'ai préféré vous le faire gagner. Et donc, ça sera pour la première semaine de Noël. Le voici donc. On l'ouvre tout de suite. Et donc, sous ce magnifique couvercle, un petit papier, hein, gentil, une doc bien complète, hein, bien épaisse. Voilà. Il est ici. Il vous est livré avec une télécommande. Petite chose intéressante sur ce Doogie P1, c'est la version 2. Et la version 2, en fait, propose ceci, un trépied avec le support pour mettre le Doogie P1 sur une table ou ce genre de choses et pouvoir projeter de façon stable sur un mur. Voilà, donc ça, c'est la bonne chose de cette version 2. Et surtout que la version 2 apporte une amélioration en termes de soft et en termes de hardware aussi. Donc, le voici, le petit Pico projecteur de chez Doogie. L'image sort d'ici, bien entendu. Vous réglez ici via la molette la taille de l'image. Bouton power on off. Ici, port micro USB pour y brancher soit votre câble qui va vous permettre en fait de stocker et de récupérer en fait des films et les stocker à l'intérieur dans sa mémoire intégrée, ou bien vous avez un port HDMI qui va vous permettre en fait de le connecter par exemple avec un PC et projeter les films qui sont sur votre PC directement via le Pico projecteur. Voilà, voilà pour le petit Doogie P1, et ce sera le premier lot à gagner. Guettez bien ce qui va se passer dans les jours qui viennent sur le blog. Et je tiens à préciser que seuls les abonnés à la chaîne YouTube et au blog pourront gagner ce petit Doogie P1. Voilà, c'est simple, mais seuls les abonnés pourront gagner. C'est très clair. Et attention, je n'envoie qu'en France métropolitaine. Sinon, pour les amis de je ne sais où, d'Afrique du Nord, de peu importe le pays, ça fait beaucoup trop cher après pour envoyer. Donc, arrangez-vous peut-être pour avoir un ami basé en France métropolitaine. Voilà pour le premier lot. De côté. Le deuxième lot, il est tout aussi intéressant. Pour l'instant, vous le voyez, c'est toujours vide. Tout aussi intéressant, mais complètement différent de ce que vous avez eu l'habitude de voir sur la chaîne Synodroid TV. Copie d'une NES Mini qui m'a été envoyée par une boutique qui voulait un test vidéo. Moi, faire des tests de copie, c'est pas mon truc, donc j'ai dit je ne ferai pas de vidéo dessus. Bref, donc j'ai le matériel. Ah, c'est vraiment une copie hein, de la NES Mini. C'est évident, vous voyez l'image, c'est tellement évident que on dirait la NES Mini, mais non, ce n'est pas la NES Mini. Dedans, vous avez une mémoire intégrée qui contient 500 jeux. Alors les 500 jeux, c'est milieu des années 80-90, avec, je dirais par exemple, vous avez du Tetris, vous avez, je l'avais vu, Super Mario Bros, les Mario, différents Mario ici. Vous avez les Sky Invaders, pour ceux qui se souviennent des consoles de jeux dans les bistrots et ce genre de choses, pour ceux qui auraient à peu près le même âge que moi. Voilà, les Donkey Kong, bon bref, 500 jeux intégrés, plus ou moins bons, plus ou moins sympas, bon voilà. Mais je vous l'offre, voilà, ça sera la deuxième semaine. Donc deuxième semaine. Console NES Mini copie chinoise
avec 500 jeux intégrés, cadeau idéal pour Noël. Et ensuite, deux choses très classiques pour la chaîne. Troisième lot, ceci. Alors ceci, je ne l'ai pas présenté. Pourquoi ? Parce qu'il m'a été envoyé par une boutique et je trouvais que c'était un Apollo Light juste amélioré. Je trouvais peu d'intérêt. D'ailleurs, il a vite disparu en fait ce téléphone. C'est franchement dommage parce que il a enfin une bonne caméra, enfin une bonne batterie et enfin un lecteur d'empreintes qui fonctionne bien. Rapidement, le voici. Voilà. Vous voyez, c'est un Apollo Light. Bon, voilà, amélioré, on va dire, avec une plus grosse batterie en dessous de 3500 mAh. Une caméra aussi, elle, améliorée, je ne sais plus, je crois que c'est 21 mégapixels. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Mais enfin, un 21 qui fonctionne bien. Double LED, un écran Full HD, un 5,5. Très honnêtement, il fonctionne parfaitement, il est neuf. Voilà, juste déballé, à peine testé, juste regardé comme ça, et j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi ? Parce que c'était qu'un Apollo Light juste amélioré, donc pas grand intérêt pour ce Apollo X qui a lancé le X avant Apple. Donc, troisième semaine, vernis Apollo X. Et juste avant Noël, petit mais bien, puisque c'est ce qui a lancé la marque Vernis. Voilà, il est tout neuf. Pareil, il m'avait été envoyé, voilà, et puis bah, il a été livré avec, regardez, je pense que c'est pour ça qu'on me l'a envoyé. Il avait une micro-rayure ici, voilà, juste là. Donc, c'est sympa de m'envoyer un téléphone, mais bon, voilà, je l'offre. C'est quand même 90-100 € de cadeau, ici. Ce vernis tord, donc il a une micro-rayure, mais je préfère l'offrir que de le jeter parce qu'il fonctionne parfaitement. Et lui, il a vraiment eu beaucoup de mises à jour qui ont fait qu'il fonctionnait de mieux en mieux. Alors, si vraiment vous, ça ne vous intéresse pas, vous me le dites et j'essaierai un autre téléphone que je peux avoir de côté. Le gagnant de ce vernis tord me le dira si ça l'intéresse ou pas. Voilà. Voilà, donc 4 lots. 4 voilà, que ça c'est très bien. Oh, que c'est beau. Voilà. Donc 4 lots comme vous les voyez, 4 semaines, 4 gagnants. C'est juste des giveaways simples. Vous partagerez le lien du site. Vous partagerez la vidéo. Tout ça sur votre Facebook ou sur votre réseau social préféré, de préférence un réseau social actif. Parce que le précédent jeu concours, bon, la personne, je l'ai fait gagner, mais bon, c'était sur son Instagram ou son Twitter, et quand j'étais vérifié, il n'y avait rien à part ma publication, il était ami avec personne. Bon, bref, je me suis fait un petit peu avoir, je vérifierai plus pour ces 4 lots. Donc voilà, 4 lots, 4 semaines, juste avant Noël. A plus, ciao.